Kwaku Boateng Nana a eu une longue et fructueuse carrière dans l'industrie de la tomate. Mais il affirme que de plus en plus d'agriculteurs abandonnent l'activité en raison des pertes enregistrées après les récoltes. Chaque fois qu'il pleut, nos tomates pourrissent. Près de 80% des producteurs de tomates de cette communauté ont cessé de cultiver leurs terres à cause des pertes post-récolte. En raison de la mauvaise fixation des prix et d'un stockage inadéquat, les tomates pourrissent avant d'arriver sur le marché. Des rapports récents du gouvernement danois montrent que le Ghana perd 1,9 milliard de dollars par an à cause de ses pertes post-récolte. L'Institut de recherche sur les cultures du Ghana ne dispose pas de moyens nécessaires pour construire de meilleures routes ou améliorer les installations de stockage, mais il peut contribuer à prolonger la durée de vie des tomates. Pour ce faire, il forme des jeunes des communautés productrices de tomates à la préparation de la confiture de tomates qui se conserve plus longtemps. Leurs parents n'apporteront pas les fruits entiers au marché urbain pour que les responsables du marché décident des prix. Mais ils en prendront une partie et la transformeront en confiture ou en d'autres produits que nous leur avons appris. Ces produits se vendront alors plus cher que les fruits bruts qu'ils auront apportés au marché. Cette formation va donc aider les habitants des zones rurales. Une idée que les jeunes ont très vite adoptée. It's going to be very, very... Cela va nous être très utile parce que nous venons des villages qui n'ont aucune connaissance des techniques post-récolte, ce qui fait que beaucoup de nos produits sont perdus. Grâce à ces méthodes de conservation et à l'accent mis sur la limitation du gaspillage alimentaire, de plus en plus d'agriculteurs ghanéens espèrent pouvoir rester en activité et contribuer à nourrir le pays pour les générations à venir.